Salut à tous les amis, c'est Issa25, content de vous retrouver pour la suite de Iron Man. Je vous ai fait un peu l'intro, parce que c'est l'intro vraiment de super-héros. J'adore l'intro, la musique, tu te prends vraiment pour un super-héros. C'est vraiment la classe, enfin digne des Marvel en fait. Donc c'est tout, la fois d'avant on avait fait le chapitre 3, donc là on va virer sur le chapitre 4 de la campagne. Allez, let's go, on y va. Non, il dit rien? Oh, il dit rien. Moi, il croyait qu'il allait dire quelque chose. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Ah, c'est bon. Apparemment, vous avez un appel dans la cuisine, monsieur. Dans la cuisine. C'est peut-être Piper. Ok, c'est peut-être Piper. Hop. Ah, c'est ça le téléphone. J'avais pas capté, moi, la photo. Tony. Piper. Comment te sens-tu? Comme si j'étais tombé d'un avion. Ton sens de l'humour m'a l'air intact. Oui, c'est grâce à mon sauveur. Et c'était qui? Un type plutôt canon. Beau costume, mâchoire carrée. Hé, hey, patron! Il est au téléphone, espèce d'idiot! Megan Smith? Ah, salut, pote. Tout va bien, l'hosto? Ils vous ont gavé de médoc? Raccroche immédiatement! Patron, dès que vous aurez fini de flirter, j'ai besoin que vous veniez voir un truc en bas. Désolé, monsieur. Je lui avais dit de ne pas vous déranger. Mais d'où est-ce qu'il sort? Vous pouvez tous nous laisser une minute, s'il vous plaît. Certainement, monsieur. Ravi que vous alliez bien, Miss Potts. Merci, Friday. À plus tard. Gail Smith, Tony? Mais qu'est-ce qu'il prend? Deux Tony valent mieux qu'un, non? Tu aurais peut-être dû demander un autre avis. Oui, mais ma conseillère était en train de passer une IRM à ce moment-là. En parlant de ça, je dois me reposer. Sois prudent. Et ne laisse pas ton double temps. Alors, parlez à Gunsmith. Ok. Hop. On va pas faire ça, hein. On va pas faire de sport. On y va direct. On fait directement l'histoire. Hein. Sauf s'il y a des petites interactions. Je sais pas s'il y a encore d'autres interactions là-haut. Non? Ah si, t'as vraiment les infos au jour au jour en fait. Il y a eu le truc de Shanghai. Genius. Bah. Ah! Abesmer. Artec. Ok. Les amis, c'est Morgan Stark qui vous le dit. Les industries Stark n'ont jamais autant eu la cote. Oui, les bureaux à Shanghai ont été détruits. Mais ils étaient assurés. Et tout ce qui a été perdu peut être reconstruit. Les Stark prévoient tout. C'est pourquoi mon séminaire sur la suprématie en bourse à $29.99 est indispensable. Je sais que certains diront que je ne fais que flatter mon cousin. C'est pourquoi j'ai accepté de rencontrer un détracteur de Stark, Dario Hager, PDG de la... Alors c'est chiant, hein, c'est vrai que je crois que c'était mal jour, hein, sur le live de RB qui disait que c'est vrai qu'on n'avait pas remarqué, mais c'est vrai que quand on quitte les petits podcasts, eh ben on n'a pas le son. C'est vrai qu'ils auraient dû nous le mettre quand on se déplace, le son. Pourtant, je crois que dans plein de jeux, c'est rare qu'on doit voir ça, que quand on se déplace, on n'entend pas le son quand on se déplace. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Moi je regarde parce que j'ai des points, donc je vais pouvoir châssis. J'ai pas de châssis, on va peut-être faire ça pour me protéger, c'est ça? Réparation. Ajoute des nanites de réparation pour améliorer le système de réparation automatique de l'armure. On va faire ça parce que je crois que j'en ai grand besoin. Ok, ça c'est nickel. Ok, et du coup j'en ai plus. Hein. Voilà, j'ai plus de points. J'en ai plus. Ok. Donc du coup. Hop, on va aller là-haut, du coup. Allez, on va là-haut. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Elle a un problème, Sunday? Friday. Bien sûr. Elle est géniale, c'est sûr. Charmante. J'adore son accent. Va au but.
Je suis love d'elle. Elle n'est pas comme nous, patron. Soyons francs. Elle n'est pas à la hauteur. Autrement, vous m'auriez pas fait revenir comme ça. C'est moi qui devrais être votre IA embarquée. Parce qu'elle est pacifiste, okay, c'est pour ça. bien sûr, c'est évident. Je voulais juste dire... Vous savez... Pensez-y, patron. Montre-moi ce que t'as préparé. Bien. Approchez. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Connais ton ennemi. Vous m'avez toujours dit ça, patron. Cette station vous permet d'analyser les drones que vous rencontrez sur le terrain. Ah, d'accord, c'est ici, d'accord. Saisissez l'icône d'un drone et sortez-la du terminal virtuel pour voir ses stats. Ah, ça c'est cool. Alors, ah oui, c'est ça en fait, ça que j'avais vu, ça un peu sur le live d'Herbie, et en fait, tous les drones que l'on va rencontrer vont être déverrouillés, je pense, et du coup, on va avoir plein d'infos pour savoir comment on peut le battre, en fait. Ok. Voilà, c'est ça, en fait. Ok. Ok, donc là, à mon avis, je pense que c'est le premier qu'on a rencontré de drone de base. Alors, apparition plus 1. Les drones originaux des industries Stark se regrouperaient pour combattre les appareils ennemis. Ils diffusaient des paillettes pour tremper les systèmes de guidage avant d'ouvrir le feu. Le fantôme n'a conservé que les fonctions d'attaque. Et là, en chasse, donc voilà, c'est des astuces pour le battre en fait, je pense. En chasse, les apparitions perdent en précision quand vous leur en mettez plein la vue. Les missiles guidés peuvent éliminer les apparitions isolées du groupe. Les armes en effet de zone peuvent vous débarrasser des apparitions. Regroupé en formation d'attaque, le combo point fusée peuvent vous aider à vous frayer un passage en force. Ok. Et du coup, ah, on peut même les prendre, ces chasseurs, je savais pas ça. Du coup, on peut les mettre. Ok. Ça, c'est pas mal. Ok. Et du coup, si j'en prends. Fantôme s'est fait plaisir en modifiant nos anciens drones. Lumière solide, nouveau programme. Ça, il est horrible. Les industries Stark ont vendu le crâne original comme sentinelle aérienne pour les installer. Pour les installations de sécurité. C'est comme un spectre de jardin. Apparition ? C'est thématique. Il file vers l'avant et vous bombarde par l'arrière. Mais vos répulseurs n'en font qu'une bouchée. Hey Friday ! Monsieur ? Télécharge les noms des drones du fantôme pour tes rapports de combat. Elle les a ressuscités. Ils sont à elle maintenant. Comme vous voulez, patron. Mais sous la peinture neuve, c'est un châssis Stark. Là par contre, je savais pas, vous voyez un peu, utiliser les points fusibles pour... sur un crâne étourdi pour l'envoyer dans les autres drones. Ça, je savais pas en fait. Comme ça, c'est comme un effet de ki en fait. Ça, c'est génial ça. Ok. Et ça ? Le fantôme l'appelle le crâne. Le crâne. Comme il charge, je devine qu'elle veut fracasser le mien. Il active des boucliers de lumière solide avant l'impact. Faites-y attention. Tirer sur les mines à proximité d'autres ennemis pour les endommager. D'accord. Un coup de poing au bon moment verra leur mine, une mine se coller à d'autres ennemis. Ah, il y a comme des astuces pour provoquer en fait. Comment des attaques à la chaîne en fait. Elle appelle ça. Ok. Et là, les chars. Ça, c'est horrible ça. Ils arrivent de nulle part. Ouvrez grand vos oreilles et restez bien à l'affût des cliquetis. Peuvent gérer facilement les missiles d'un fossoyeur. Les fossoyeurs sont lourdement blindés. Utilisez tous les moyens pour infliger le maximum de dégâts. Changer d'arme, combo, point, fusil, frappe. Bon, bref, faut utiliser tout quoi. En moins de portée, les fossoyeurs peuvent activer les modes siège et tirer un barrage de missiles. Mettez-vous à couvert ou volez à la base. Ok, d'accord. Ok, alors ça c'est vraiment horrible ce truc. Hein. D'accord, donc voyez un peu. Hein. Il me reste encore apparemment deux drones à récupérer. J'admets, j'aime bien ces boucliers de lumière solide. Oui, c'est pour ça. Entière. Attends. Transporter plus de missiles qu'avant. Comment on fait pour sortir sûrement des chargeurs en quinconce, mais la friction devrait les faire exploser à moins d'utiliser des microfilaments thermiques. Vous auriez carrément dû la prendre dans votre équipe de recherche. Oui, enfin, actuellement, c'est elle qui me recherche. Ok, donc c'est bon. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Pourquoi ne m'avoir rien dit, monsieur ? Sur quoi ? Le faux Stark. Je ne le trouve pas dans ma base de données. C'est... Parce qu'il est vieux. C'était un associé discret. Je suis un génie ! Ouais !
Associé discret. Ouais. Avec tout le respect que je vous dois, vous lui faites confiance. Il est tenu en laisse. Non, mais appuyez sur. Bon, je dirais quand même, non. Il est tenu en laisse. Évidemment. Vous avez raison. Je suis Tony Stark, voyons. Regardez ça, monsieur. Monsieur, j'ai programmé de nouvelles fonctions dans l'interface. J'en ai deux. J'espère qu'elles seront utiles. Sélectionnez Malibu ou Shanghai pour continuer. Ah bon, pourquoi Malibu encore? Ah, il y a encore Shanghai? Shanghai. Lorsqu'un endroit regroupe plusieurs missions, sélectionnez-le. Vous affichez... Ah non, défi vol! ...prenant les missions optionnelles et celles que vous avez déjà terminées. D'accord, ok. Bon boulot, Friday. J'ai également programmé plusieurs défis de vol optionnels afin de pouvoir tester les capacités de votre armure. Bonne idée. D'accord. Des nouvelles de notre fantôme? Rien pour l'instant, monsieur. Continuez les recherches. Pendant ce temps, je vais me préparer avec ces défis de vol. Oh non, non, non. Ok, d'accord, donc ça c'est des défis de vol, donc je vais pas les faire, je continue quand même l'histoire, donc je les ferai sûrement à la fin de du mode histoire. Donc du coup, à chaque fois, il débloque des défis sur chaque environnement que l'on voit, en fait. Dans Complexe Stark, défi vol, vol libre. On a même le vol libre, donc je pense que c'est comme un bac à sable, en fait. On peut y aller comme on veut. Et on a le Malibu. Chapiteau de rechargé, 5-5 prologue, défi, vol... Ah non, non, ok, d'accord. Ok, ça, je savais pas qu'il y avait ça, en fait. J'avais pas fait attention. Ok, bon, c'est tout, on va faire la suite, plutôt. On va aller dans le Pacifique Nord. Chapitre 1. Ah non, sorti de nulle part. Mais non, c'est pas ça. Difficulté, je suis en deuxième. Ah, les amis. Y'a vous. Oh, bravo, Ekprod. Tu es vraiment très fort. Oh, il manque pas, les gars. Boum. Il manque pas grand chose. Ok, d'accord. Pas mal, je vous aurai, les amis, je vous aurai. Il manque pas grand chose quand même. C'est cool, on a quand même. Et mon duo, à mon avis, ça va être horrible. Ah, pas si horrible que ça. En fin de compte, faut vraiment faire 3000 pour être premier, les amis. Du coup, non. Ça fait qu'on peut revenir sur les chapitres d'avant, en fait. Donc, grâce à ça, la carte. Ok. Et du coup, je suis pas obligé de faire ça, quand même. Si, je suis obligé de les faire. J'ai l'air d'être obligé de les faire, on dirait. Complexe Stark. Ouais, je suis obligé de les faire. Bon, on va les faire, hein, tant pis. Hein. Shanghai. Défi de vol, voler à travers tous les points de passage et terminer la course le plus vite possible. Bon, on va essayer de faire ça du coup. Prendre l'équipement, répulseur, châssis, prendre l'équipement. Ah oui, t'as l'équipement. Non, je pense sûr. Je pense sûr. Ok. Bienvenue à Shanghai, monsieur. Cette ville dense est l'environnement idéal pour tester votre maniabilité en virage. D'accord. Commençons. Meilleure pratique d'un. Du temps en plus. Non! Ah, j'ai du mal à y passer. Alors ? Excellent, terminé à 50%. Ah ! Ah, c'est pas évident, ouais.
Shanghai d'ici à Shanghai, ils sont plutôt sympas, je trouve. Faut aller où? Ah merde! Oh non! Trop facile. Non. Je suis paumé en fait, je suis paumé. Ah zut. Après je connais pas le parcours. J'ai du mal un peu à tourner en fait hein. Dommage. C'est nul, dommage. Vous n'avez pas l'air en forme. Vous voulez réessayer? Ouais, je veux bien. Ah zut. Dommage. Ah non, j'ai pas appuyé sur réessayer, je crois. Ah dommage. Ah c'était nul. Putain, c'est dur. Oh, c'est horrible. J'ai eu un trophée quand même. On va faire rejouer quand même. Juste voir un peu ce que ça donne. Allez, on va refaire une quand même. Essayer d'améliorer ça quand même. Mais c'est plutôt pas mal. En fait, les défis sont plutôt cool. Ça nous permet au moins de nous balader un peu sur la map. Enfin, du moins, profiter de la map plus longtemps que dans les scènes de campagne, en fait. Parce qu'on est tellement pris dans l'histoire qu'en fait on peut pas aller s'attarder trop en fait sur la map où l'on est en fait. Allez, on va réussir un peu. Bienvenue à Shanghai. Activation du programme de vol d'essai. Oh non! Il veut pas! J'arrive pas à arriver à descendre! J'arrive pas à descendre! Ah. Continuez, vous en êtes à la moitié. Ah merde, j'ai le speed. Je me disais pourquoi j'ai pas assez vite. Merde. Je suis paumé à chaque fois ici. Bah moi pas assez hein. Du temps en plus. Oh non hein. J'arrive pas à descendre, merde. Il veut pas descendre. Bon c'était nul hein. 3-2. Ouais. Putain, j'y dirai plus longtemps en fait, non? Ouais. Non, c'est bon, on va arrêter là. Enfin, je m'entraîne, hein, parce que c'est pas évident. Bon, c'était nul là, c'était encore plus le cas. Zéro! Allez, on continue.
Alors, le défi du vol de Friday a poussé les capacités de l'armure de Tony jusque dans ses retranchements. Ce dernier retourne au garage en espérant que le fantôme a été localisé. Donc on va voir si notre Friday a localisé... Ah, c'est déjà fini, le 4. D'accord, chapitre 4 déjà fini en fait, c'était juste pour les tests. Ok, match en cage. Bon, c'est tout, on va faire le 5 du coup. Bienvenue, monsieur. Venez me voir dès que possible. D'accord. Parlez à Friday. Ah, attends, on va plutôt rajouter des trucs. Alors, guider, ça j'en ai mis. Ça j'en ai mis. Je regarde s'il y a un endroit où j'ai rien mis. Non, ça c'est pour. On va rajouter un peu ici en fait. Tac, super. Quel est le propulseur pour augmenter l'accélération, parvenir plus vite que jamais à la vitesse. Ah, on va faire ça. Ça c'est mieux quand même. Yes. Équipé. Ça c'est cool. Non, on laisse. Hop, on ferme. Du coup, on a augmenté la vitesse. Non, on va pas faire là. Tu veux pas me parler, toi? Non, ok. Ah bah, du coup, on va là-bas. Qu'est-ce que c'est? Une autre attaque? Ah, l'héliporteur! Cool. C'est la position de l'héliporteur Orestaya. Le directeur Fury voudrait vous parler. Oh, on va rencontrer Nick Fury! J'ai l'impression d'être convoqué chez le proviseur. Le Shield surveillait les événements de Shanghai. Je crois qu'ils ont des informations pour nous. Génial. Ok. Du coup... Briefing de Missing. Personne ne refuse un appel de Nick Fury. J'ai pas l'impression que ce soit juste pour dire bonjour. Allez, on y va. Du coup, on va rencontrer Nick Fury, les amis. Là. Tac. On va prendre ça. Faudrait que j'essaie de configurer peut-être une autre armure plus tard, mais... Pour le moment, je pense que j'ai terminé l'histoire hein, avec une armure. Je pense que c'est largement suffisant. Je pense qu'on peut terminer le jeu hein, avec une seule combinaison d'armure. Ok, donc du coup, on va rencontrer Nick Fury. C'est génial. Héliporteur Orestea, 30 000 pieds. Tony s'envole vers l'héliporteur du Shield. Orestea, où un vieil ami l'attend avec son sale caractère. J'espère comment ils le disent. Héliporteur Stella tenait à miniaturiser la technologie utilisée pour les précédents concepts d'héliporteurs. C'est le maniant de l'esthétique baleinière de Howard pour un style plus moderne et plus minimaliste. Le fantôme contrôle une armée de drones Stark envoyés au rebut renforcé de boucliers de lumière solide. Allez les amis, vous êtes prêts à rencontrer le boss? Je savais que Nick aurait une idée sur notre problème de fantôme. Le Shield a des agents de renseignement partout, et même ailleurs. Mais je savais aussi qu'il aurait des questions, même après toutes ces années. Il voudrait savoir pourquoi je ne faisais plus d'armes. Vu contre quoi je me battais, ça me paraissait évident. Ok. Du coup, normalement, j'ai dû augmenter un peu la vitesse de notre Iron Man. On va voir ça. Oh, wow, génial. Ah oh, ouais. Bonjour, Iron Man. Bienvenue sur le Restia. Purée, comment ça donne, ça rend bien. Match en cage. Wow, ça rend trop bien. Aussi beau que le jour de son lancement. Ah, c'est clair. J'ai longuement étudié ces plans. C'est l'une de vos plus belles créations. Je me demande s'ils ont gardé les toilettes japonaises. Voulez-vous faire un petit tour autour, par nostalgie, monsieur? Allez, ça va me rappeler de bons souvenirs. Très bien, monsieur. J'ai ajouté quelques points d'intérêt sur votre ATH. C'est quoi ça? Des canons anti-aériens vapeau-pneumatiques. Les Nimbus Ravageurs, uniques au monde. Tu t'y connais bien? Pensez-y lors de mon prochain entretien d'évaluation. Je devrais vérifier les propulseurs arrière. Mmh,
ce hangar n'était pas prévu pour une porte électromagnétique. On dirait bien que Shield a choisi le devis le moins cher, là. Ah ouais, on sent la vitesse quand même, je crois. Ouais. Content de voir qu'ils utilisent mes moteurs à réaction MK5. Ils ont aussi ajouté des caissons anti-choc renforcés. Je suis tellement fier. Moteur à réaction Stark de place résilience. Deux fois plus puissant, quatre fois plus léger. C'est cool, hein? Ah, il y a ça en dessous en fait. Attends, j'allais en dessous. Ah, c'est là. Yes. Des élévateurs d'équipement. Et même que j'avais installé au QG des Avengers. Ça fait bizarre de se retrouver comme. Ce vaisseau était mon dernier bijou. Dans un vaisseau vraiment culte. C'est un truc que je ne referai jamais. Créer des armes était un gâchis de votre talent. Mais quelle merveille. C'est sûr. Franchement, pour que je remette ça. Le paysage est nickel. Ça rend vachement bien. Contrôle de l'Oresteia pour Iron Man. Ici Iron Man, j'écoute. Vous avez l'autorisation d'atterrir. Ça tombe bien, j'allais le faire. Je fais ce que je veux, voyons. Génial. Waouh. C'est très beau. Franchement, l'héliport est génial. Le gramme, je suis, on va quel pas le voir. Imprenable, monsieur. En effet, Friday. Mais où est le maître des lieux? Waouh. Le directeur Fury est actuellement en plein briefing. Vous voulez faire une petite visite? Ah évidemment ouais. Évidemment que je veux. Tu m'étonnes. C'est génial. Réal, quel est le mot de passe? Expatrié, ex-copine mal rangée. Faire ailleurs, faire dans un autre endroit. Salle 17 Alpha, s'il vous plaît. Allez-y. Agent 19, demande des renforts en terre sauvage. Heure d'arrivée prévue. Oh! Je sais, je voulais juste... Monsieur Stark s'assurait qu'elle était encore sécurisée. Génial. Vous me revaudrez ça. Merde, le téléphone, j'arrivais pas à le lâcher en fait. C'est génial. On va faire un tour, hein, les amis. Attends, on va faire un peu le tour du propriétaire, voyons. C'est quoi ça? Il appelle tout le monde en fait. Un problème. Allô, Oxo, ici la Terre. Ici, Iron Man. Je peux avoir un numéro 5? Est-ce que ton réfrigérateur fonctionne? Ah, tiens. Oui, est-ce que votre frigo fonctionne? Je ne sais pas qui vous êtes, mais cet appareil n'est pas un jouet. Ah non, monsieur. On peut en faire? Ah merde, ils veulent pas. C'est génial. On dirait un fan à un concert. Désolé, j'ai jamais... Je peux pas aller où? Rencontrer des super-héros en vrai? Eh bien, je ne pensais pas qu'il serait si brillant. Agent Casado, au rapport. Alors, on va aller là-bas, on va aller là-haut. Tu sais pourquoi cet héliporteur s'appelle Oresteia? C'est le nom d'une ex-petite amie de Stark. Moi, ça me fait penser à Orestella. Oh la blague. Orestella. Oh là 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 là, comment c'est vieux. Regarde-moi cette facture. Waouh. On m'a dit que Fury avait une voiture volante, mais j'y croyais pas. Bon, il n'y a pas grand-chose en fait. Aérovéhicule. Aérovéhicule paramilitaire de reconnaissance opérationnelle. C'est facile à retenir. Bah oui, voyons. Tout le monde sait ça, voyons. Allez, on va voir un peu. Directeur Fury sur le pont. En tout cas, c'est vrai que la VF est quand même plutôt top. Oh, s'il est là. Salut, Nick. Elle a déjà commencé, je crois. C'est vrai, et on se joue de toi. C'est quoi que ça? Oh yeah! Ça rend tes vieux drones plus difficiles à abattre, Tony.
J'aurais aimé que le shield ait les mêmes. Imagine les possibilités. Eh, hey, il est pas mal quand même, hein. Que le fantôme t'en vendra. On n'achète pas d'armes aux terroristes. Mais on pourrait les pirater. Ça expliquerait le cache-œil. Pourquoi arrêter la vente d'armes, Tony? J'avais besoin de Mi à cause de Shield. Tu les utilisais contre les mauvaises personnes. Contre les mauvaises personnes. Tony, je... Directeur Fury, nouvelle communication. Très bien. On va attaquer les porteurs, non? Les porteurs vont être attaqués. Je le sens. C'est pour ça que tu m'as fait venir, Nick. Le Shield a besoin de matos. D'autres fournisseurs se sont proposés. On s'en sort très bien. Ce téléphone a clapet, Antidon. C'est pas le nôtre, génie. Il appartient à ton ennemi. Appartenait. On l'a retrouvé dans les décombres d'une de tes tours à Londres. J'en ai vu un pareil à Shanghai. Le Shield espérait pouvoir en tirer des informations, mais il est fiché. Il s'allume pas. C'est un Motorola ? Friday s'occupe toujours des données. Pas seul. Je lui ai trouvé de l'aide récemment. Donne-le leur. Ils auront peut-être plus de chance que nous. Directeur Fury, nouveau rapport sur le pont intermédiaire. Après toi. Yeah. Super. Tu sais ce que c'est un fantôme aux échecs? Une menace. Dans l'esprit du joueur plus que sur l'échiquier. Elle hante ton jugement, te distrait. De quoi? De la phase finale. Directeur Fury, nous avons repéré un grand géant à tribord. Descendez-le. Il est parti, disparu du radar. Un fantôme. Regardez, ici. Oh là là là. Détruisez-le. On le frappe avec tout ce qu'on a, mais rien ne fonctionne. Le moment de vérité, Tony. Qui va remporter la partie? Son drone ou mon héliporteur? Difficile à dire. Je suis le créateur des deux. Il va nous percuter. Dépêchez-vous. Sortez d'ici, tout le monde. Impact imminent. Oh la vache. Wow. Quelles sont les pertes? Vous voyez ce que je vois? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Un maillage de laser se forme autour de l'héliporteur. Elle se met dans une cage. Activez les jets! Tony, pas besoin de te dire ce que tu dois faire. Je n'écouterai pas de toute façon, Nick. Ne faites pas attendre. Ok, mon pote. C'est cool. L'héliporteur sera à 30 000 pieds. Un gigantesque cage laser recouvre l'Oreste et Iron Man survole pour aider les défenses de l'héliporteur. Ok. Allez, on va essayer de défendre ça. Match en cage, ok. Et bon, on va essayer, hein. Géante, fantôme. Comment as-tu pu avoir le temps de faire ça? J'ai demandé de l'aide à un contractant indépendant. Eh bien, il va falloir me donner leur numéro. Ouf.
fait pour le sein. Tony, on détecte une unité en approche qui est insensible à nos tirs de canon. Elle vise nos propulseurs arrière. Je la vois. Analyse du nouveau drone. On dirait un drone d'attaque des industries Stark modifié. Le fantôme a ajouté un blindage épais à l'avant. Les systèmes essentiels fonctionnent encore, mais c'est limite. Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi! Sont bloqués. Le fantôme a verrouillé les portes du hangar. Compris, je m'en occupe. Cela va vous rendre vulnérable aux attaques des drones. Oui, mais je dois le faire. Unique va devenir une furie. Allez droit aux portes du hangar, monsieur. Libérons cette jet. Ah, je suis bloqué, attends. Ah. C'est où déjà? Ah oui, ok. Les verrous doivent être ouverts manuellement. Prenez la poignée et tirez pour les décoincer. Ah, d'accord. Ça marche pas? Ce sont des verrous Hammer. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai l'habitude de détruire leur catalogue. Ah, d'accord. J'avais pas compris en fait. Ah, pas mal. Oh, le système. Allez les amis, on y va. Let's go. Un peu d'huile de coude et le tour est joué. Vous et tour 1, vous pouvez décoller. Reçu. Merci, Iron Man. Mais de rien. Tu as changé mes portes de hangar. Tu as oublié la règle numéro 1. Si ça marche, on ne change rien. Ça marchait, mais ça pouvait être amélioré. Ah, donc tu as oublié la règle numéro 2. On ne touche pas à la perfection. Et on refait la même chose. Oh, c'est génial. Il y a quand même des mécaniques de jeu qui sont plutôt sympas. T'as pris de nouvelles habitudes à Shanghai? Je libère les jets et je reprends le cours normal. Promis. Cavalier, tour 2, c'est parti. On se les paie, les copains. Bah j'espère bien. Ah bah disons que... Oh merde, je suis en train de flaguer les miens, moi. Les ennemis en approche. Ils attaquent le ventre de l'héliporteur. Le ventre, le ventre. Ah, d'accord. L'extension garantie. Je suis sûr que j'ai les papiers quelque part. Qu'est-ce que tu peux être grognon quand on te canard? Iron Man en visite. Reçu. T'as vu, j'avais vu.
chargée, monsieur. Oh là là. Ciblez la cage. C'est bon encore ou... Lequel de 6 heures? On subit des dégâts critiques. Dis ben. Abandonnez le navire. Préparez l'évacuation. Oh non, l'évacuation, il va exploser mon truc. Non. D'autres ennemis en approchent. Ils attaquent le ventre de l'héliporteur. Ah non merde. Je suis en train de viser les miens moi. C'est bon? Ah non! J'ai de l'activité à 6 heures. Ouvre-moi. M'attaque au plus gros. L'armure a subi des dégâts, monsieur. Monsieur, votre armure est endommagée. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'elle est endommagée en plus. Iron Man en visu, reçu. Armure endommagée, monsieur. Ah, il est dur celui-là. Il est où? Ah, oh, enfin! Yes! Ouais. Non encore? On dirait. J'ai des papiers quelque part. Qu'est-ce que tu peux être grognon quand on te canarde? Oh là là! L'état de l'armure se dégrade, monsieur.
Diagnostic inquiétant, à couvert. Putain, j'arrive pas. Ah ben maintenant. Tony, on a détecté des explosifs dans l'héliporteur. Oh merde, sérieux? Le fantôme ne chauffe pas. Friday, localise-moi ces bombes. Je les place sur votre ATH. Ah merde, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah là. T'as un peu de mal à me contrôler. Yes. Bordé laser, c'est la mode. Fais comment? Les noyaux à chaque extrémité alimentent le cœur. Un coup de réfrigérant sur chaque d'accord. noyau devrait suffire. L'heure de la bombe glacée. Et après? C'est tout? Non? Détruisez les quatre noyaux avec du liquide d'enfoncement. Là, c'est bon? Ah, d'accord. Ok, ok. La voix de le cœur chaud. Ça marche, monsieur. Yes. Le cœur explosif est inerte. Enlevez-le pour... Excellent. Encore deux. Wouhou. Tu ne pourras pas désamorcer mes bombes. C'est trop tard. Machin. Donne-moi une chance de battre, fantôme. Et pourquoi? Est-ce que Kim Shun dans la une, lui? Encore une fois, je ne sais pas qui c'est et je m'en fiche. Je zèle tes avoirs, fantôme. Plus qu'une, allez! Allez! Il est où le truc? T'es sûr que ces bombes sont assez puissantes pour faire sauter l'héliporteur? Vous voulez prendre le risque? Bien sûr que non! Ah, il est où? Ah, il est à l'intérieur! Oh merde! Je sais comment pour y aller, moi. Ah, il est à l'intérieur! Ah zut! Un mur dégradé, mais non critique. Ah, oui, d'accord. Monsieur, les bombes vont détruire le Resteia si vous n'agissez pas rapidement. Je fais ce que je peux. Fantôme adore faire sauter des trucs, on dirait. Vous avez quelque chose en commun, finalement. Bombe désamorcée. De justesse. Si le fantôme te tue pas, ce sera moi. J'ai le sens du suspense, Nick. Je détecte un pic d'énergie, monsieur. Plusieurs vecteurs d'attaque au radar. Encore ? Il n'abandonne jamais. Sans t'y tenir. Envoie-leur tout ce que tu as, Nick. Finissons-en. C'est l'assaut général. L'état de l'armure n'est pas optimal. Je
Ah non! L'inhibim est chargé. Des drones lourds attaquent les turbines supérieures. Ah non, non, non! Plus vite! C'est quoi ça? Oh là là! Il est où? Yes! Ouais. Wouh! Oh non, encore! Sérieux? Allez! J'ai la classe! Wouah! Oh, oh, oh. Encore? Oh non! C'est pas vrai! Nous avons subi des dégâts. Ah merde, j'ai oublié! Essentiel fonctionne encore, mais ses limites. J'ai crevé. On a perdu une turbine. Ah non.
ça, ça fait chauffer le réacteur. Ouf. Bon, j'ai perdu un réacteur quand même, j'ai turbine. J'ai fini d'analyser la cage. Ces sphères alimentent toute la structure en énergie, mais elles sont protégées de toutes les armes conventionnelles. D'accord. Alors ne soyons pas conventionnels. Provoquer une IEM avec les missiles Thunderbolt d'un jet du SHIELD pourrait livrer le noyau à vos armes préférées. Mais moi ? C'est ça. Allez à portée de scan des sphères et j'enverrai les informations de ciblage au SHIELD. Ah, d'accord. Faut mes points en fait. Info de ciblage envoyée. Missile Thunderbolt envoyé. Entrez dans le noyau et boxez le cœur, monsieur. Comment on fait pour y entrer ? Ah ! Cool ! Wow, classe ! Encore un noyau. Encore ? Oh là là. Regardez qui sauve les méchants. Le SHIELD te donnera sûrement une médaille, Stark. Bah, j'espère. Sûrement. Viens donc à la cérémonie. J'adorerais pouvoir discuter avec toi, fantôme. Méfie-toi, ça pourrait arriver. Ah non, merde, c'est le côté. Non. On rentre par où ? C'est bon ? Info de ciblage envoyée. Missile Thunderbolt envoyé. Choum ! Wow. Au tapis, monsieur, comme dirait monsieur Hogan. Bon boulot, tout le monde. Yeah ! Ces missiles Thunderbolt ont vraiment été utiles. Bravo, bravo ! Imagine où on en serait si tu les avais pas vendus. Bon, j'ai niqué quand même, j'ai pas arrivé à défendre une turbine, mais... Alors, je pense qu'à mon avis, si on arrive à sauvegarder toutes les turbines... Essaye d'éviter les problèmes, tu veux bien ? On aurait un score un petit peu plus élevé, je pense. Mais c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal, quand même. Ouh, c'est plutôt pas mal. Franchement, l'héliport est... Waouh, génial, j'adore. Bon, c'était pas terrible, je pense, mais... J'ai pas sauvé... Ouais. Deux, c'est tout. Putain, c'est pas vrai. J'ai eu un trophée pour la fin. L'intégrité, l'héliporteur. Bah oui, 52% forcément. Durée de la mission. J'ai fini de vie en deux trucs, sérieux. Intégrité de l'armure, ok. Ok, donc voilà les amis, c'était donc le chapitre 5, c'est ça? Je sais plus, 4. Attends, ah oui, merde. Tac. Eh ben, c'était plutôt pas mal, hein. C'était assez dynamique. On a pu rencontrer Nick Fury en personne, donc ça c'était plutôt sympa. Et honnêtement, c'est vrai que c'est un niveau qui de partie d'Aroman qui est vraiment très très top. Donc c'était d'accord, c'était la 8, c'est ça qu'il y avait le 4 et 5 qui étaient reliés ensemble. Donc voilà, je ferai le chapitre 6 pour une prochaine fois parce que là ce week-end je serai pas là, donc du coup je pourrais pas y jouer. Du coup je reprendrai Iron Man sûrement pas avant dimanche ou lundi, je verrai. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, si ça vous a plu, et puis à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et moi en tout cas je vous retrouve très vite pour la suite de Iron Man VR. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.